Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Donc il faudrait qu'on aille ici, je pense, puisqu'il y a un point de compétence et un intel à aller choper. Ça serait peut-être pas si mal. Ensuite, on pourrait partir de là, de Caïmanes Charlie, et voir ce qu'on va trouver tout simplement. Si on lui trouve un SUV, un buggy, un hélico par exemple, qu'on voyait. Il faudrait juste qu'on améliore la partie adéquate de nos alliés. Un hélico. Et ben voilà, tu vois, quand tu veux, on pilote. Baisse ta culotte. Ah non. Je pensais qu'il allait dire, c'est moi qui pilote. Des fois, il le dit. Donc des fois, je suis content. Des fois, il le dit pas. Et donc, je ne suis pas forcément content. Alors, en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre de ces hélicos, une fois qu'ils ont atteint leur hauteur de croisière, voilà, regardez, ils piquent plus du nez en arrière. Parce que c'est pas moi qui le faisais piquer là, hein. C'est le jeu qui le faisait piquer. Et là, je peux partir comme ça. Le problème c'est ça, c'est qu'à chaque fois que je piquais du nez comme ça, il va partir. L'air de dire, ah non, c'est pas l'altitude à laquelle j'aime être. Ok. Oui, par exemple, là, il pique du nez. Crac. Et donc là, on va le laisser avancer un petit peu, puisqu'on va arriver au-dessus de la ville en question. Ville, base, quoi que ce soit d'ailleurs. Base. Base de l'Unidad. Ah. Voilà pourquoi on fait pas de parachutage. J'ai appuyé sur X pour ouvrir. Voilà pourquoi on fait pas parachutage la nuit, chers amis, parce qu'on apprécie moins bien les distances. Fallait la faire, c'est un début de comme les autres. Ce que je pourrais faire, c'est couper et après faire... Salut les viewers. Eh ben non, on y va à pied. 300 mètres. 300 mètres à pied, ça use, ça use. 300 mètres à pied, ça use les souliers. Mais ça n'use pas la langue, mais ça n'use pas la langue des snipers. Sniper, en haut de la tour. Le drone a décollé. Ouh la vache! Au moins ils ont pas de brouilleur. Un sniper en haut de la tour. On prend ça au passage. Visuel sur un soldat, près de l'entrée du camp. Près de l'entrée du camp! J'en vois un autre, ça fait 5. Bon, on va déjà abattre ce qu'on a là. Alors ça c'est le bruit sans silencieux. Là c'est le bruit avec silencieux qu'on va réutiliser cette fois-ci. Le problème c'est que j'ai une très petite appréciation de ce qu'il y a. J'ai eu. Hashtag on fait ce qu'il faut. Ou il faut ce qu'il faut, ça dépend, hein. Ça dépend de comment vous... Qui sont cons de laisser ça à l'extérieur. Franchement. Faut vraiment être débile. Bah non, mais t'attaques, hein. Moi j'ai autre chose à foutre, hein. Tu crois? Bah oui, exécute, hein, vas-y, voilà.
Ok. Non mais soyons honnêtes, hein, vous ferez pas le poids les mecs, hein, quoi qu'il arrive. On va attendre que la voiture revienne. Voilà. Bon, moi je sors personnellement. Après, je vous conseille de rester dedans, hein, ça va être très très bien, très très efficace. Désolé. Ah non. Ok, ça je prends. Est-ce que ça m'intéresse? Ça je prends. Est-ce que ça m'intéresse aussi? Tiens, j'entends des gens qui rentrent chez moi. Effectivement, il est déjà 18h23, j'ai pas vu l'heure. Tu crois que c'est là qui fabrique des sous-marins? Sans accès à l'eau? Hop. On peut monter encore un étage plus haut. On va le faire. Crac. Et ben voilà. Ça s'est plutôt bien passé. Alors, ce que j'aimerais voir au niveau du drone, est-ce que je peux augmenter la portée de 1 cran? Il faut 5500 en carburant, j'en ai à peine. Ça veut dire non. Ok, par contre, ressortir va être un peu plus complexe, finalement. Parce que je suis traqué. J'ai joué au con là. Deux étoiles, merde. Ça part en couille cette histoire, et comment je sors moi? Parce que ça me dit pas comment je sors. À moins que si là il veut bien. Ah non, il y a du barbelé, il voudra pas. Voilà qui est embêtant. Oh! Ah, bah il y avait une porte! Tout bêtement! Ah, bah merde alors! Les mecs ils laissent des portes sans surveillance! Ça par contre c'est pas logique. En question, qu'est-ce qu'on voit en vrai? Pas grand chose. Ah, il y avait un poteau là. Il y a un truc devant. Ok, bon. Bon. Du coup, on a récupéré un truc, c'est quoi ça? Avant-poste offensif, parfait. Nous sommes à 8 minutes d'épisode, ça va, on a largement le temps. Il y a plein de choses à prendre là-bas, pardon. Un chargeur de fusil d'assaut. Un fusil de snipe, et juste à côté, encore autre chose. Bah, c'est là qu'on va aller. Nous avons les coordonnées d'un entrepôt dans lequel El Cerebro effectue l'essentiel... El Cerebro, maquet! Fouillez le bâtiment, récupérez les impacts que vous trouverez, et brûlez les... Bon, on va se diriger directement par là-bas. On a 2 km à faire, c'est pas très très long. Faut juste qu'on traverse la rivière. Ou qu'on prenne un bateau, s'il y a un bateau à la rivière. Par contre, clairement, je vais allumer ça. Hein. Mais c'est qu'il y a tout plein de bateaux en plus, c'est génial. Apparemment, il y a les rebelles qui sont venus voir l'Unidad. Par plaisir. Je sais pas comment ça va se finir, cela dit. Crac, est-ce que je peux avoir du matériel? S'il vous plaît, de l'essence. Combien c'est ça? 50, c'est rien, ça quel problème ça. C'est que c'est absolument rien. Ok, merci. Le bateau, il est là. Ok. Ah, mais c'est encore un des bateaux, on va monter qu'à 1. C'est ça, ou voir à 2 à tout péter. Tu peux couper tes phares pour être un poil plus discret. Voilà, ça c'est un bateau, on monte à 2. Logique. Après, il y a tout plein de bateaux là. Un peu pour ravitailler. Pêcher, tu veux dire? Du caïman plutôt. Mais si, les petits crocodiles, il paraît que c'est un peu un goût de lapin. N'importe quoi. C'est génial. La queue, c'est le meilleur morceau. Faut vraiment faire mariner la viande.
Sinon, c'est un goût de poulet caoutchouteux. Waouh, c'est génial. Barbecue dans mon autre sac à dos. Il y a une grande lumière devant là. Oh putain, oui, c'est un avant-poste. Désolé. Bonjour. Et qu'est-ce que je suis con. Mais qu'est-ce que je suis con. Mais non, vous m'avez pas vu. Vous ne m'avez point vu. Par contre, c'est par où. Ok, moi c'est là que je m'arrête. On est à 900 mètres. Ça me suffit. Par contre, apparemment, il y a un ennemi sur un... Voilà, apparemment ici, il y a un ennemi. Désolé, il n'y en a plus. Je voulais pas le laisser tout seul, le pauvre, la vie tout seul, c'est nul. C'est bon, tout va bien. Heureusement que vous êtes là. Eh ben, encore un nouveau décor. Wouhou. C'est à peine flippant en plus de nuit. Tout va bien. Tout va bien, Marcus. Regardez, de nuit, voilà ce qu'on voit. Imaginez ce qu'on sent aussi. Hein. Ah, apparemment, il y avait un truc devant moi. Oh là là, c'est flippant. Bambi! Bon, j'ai eu Bambi. Je suis désolé, Bambi. Ah non, c'était sa maman. Ah bah, on va pouvoir rejouer le film, alors. Bon, c'est pas grave. Par contre, j'aurais bien aimé une faune un peu plus violente, parfois, peut-être. Ours, caïman, comme il disait tout à l'heure. Mais bon. Pourquoi pas. Pas forcément prenante, mais vous savez, deux ou trois, quoi. De temps en temps... Ok, on arrive sur le point. On arrive sur le point. On arrive sur... Oh la vache. Sur le point, bon. N'attendez pas à ça. Clairement. En plus, on est à 300 mètres. Et il y a un brouillage. Ok. Why not? Est-ce que vous voyez un truc qui tourne? Je vais passer par là. S'il y a un croco, je vous emmerde. Parce que je l'ai réclamé. Et je sais que ça va me dire, ah ben voilà, t'as eu ce que tu voulais. C'est le tonnerre, hein, c'est pas un T-Rex. Là-bas. Il y a des vilains, il y a des méchants. Putain, c'est la base maîtresse, ok. Approche furtive. Dans l'idéal, on doit atteindre l'entrepôt central sans se faire repérer. Je veux savoir sur quoi bosse El Cerebro. C'est parti. Drone actif. Avec muraille inter... Ah putain, c'est vrai. À côté du container. Ils ont carrément de la DCA. Je vois un narco du cartel. Là-bas, près de la tourelle. Putain, il y a une porte juste là. Il doit bien y avoir un endroit où je peux passer, non? Ne serait-ce que pour voir et ou péter la radio. Enfin, le comment, le brouilleur, pardon. J'ai oublié. Que dalle, mon drone est brouillé. Contact, c'est un lieutenant du cartel, à l'intérieur du QG.
hélico de l'Unidad en approche. Plantez-vous. Comment je suis censé rejoindre en haut? Comment je suis censé aller en haut? Putain, l'escalier il est devant. Ça m'emmerde pas qu'à moitié ça. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Putain de merde. Apparemment, je lui ai pété la cheville, mais ça a suffi. Là, je lui ai pété le bide aussi, mais ça a suffi. Ok. Progressons, progressons, progressons. Je vais me faire les deux maisons avant de... Qu'est-ce que... Regardez par là, une caisse d'armement. Où ça? D'accord. Soit je passe par l'extérieur, soit je passe par l'intérieur. Je vais choisir l'extérieur. Encore un... qui est en train de dormir. Génial. Voilà, problème résolu. Je prends l'équipement, par contre j'ai l'impression que le soleil se lève. Du coup tout va se mettre à bouger quoi. C'est ça? Non, c'est pas ça que je veux. Le drone est aux fraises, ils ont un brouilleur. Non, c'est pas le soleil. Et de là je vois pas le brouillage. Ce qui, je l'admets, me fait bien chier. Entre la radio... Bon, y'a qu'un bonhomme dedans. Ça va être notre pote. Donc, pas de soucis. Un ou deux. D'accord, y'a qu'un bonhomme. On prend l'intel. Les opérations rebelles. Une caisse de ravitaillement a été livrée par avion. Parfait. Avant d'indiquer sur ce document. On devrait aller voir ça. Tu dors ou non, t'as l'air réveillé toi. Ah non, tu dors. Je m'occupe du VIP. Tranquille, ce que passe. Hop, voilà. Ok, ça c'est fait, parfait. Bon, maintenant il faudrait voir. Ah putain, il est juste là. Ok, on est bon. On est très très bon, on est très très bon. Désactivé. Et on est bon. Fouah. Où ils sont? Montrez-vous maintenant que c'est... Trop tard, il va faire jour. Je pourrais génocider l'endroit. Oh merde. Le mec il cogne partout quoi. Oh, y a tellement de monde là-dedans. Putain, le jour se lève. Le jour se lève, nom de Dieu. Ils vont tous se lever. Ouh, il est bouché. Ok. Ok.
PM. La pile de pneus, à côté. C'est bon. Merde. J'ai fait du bruit. La télépathie de l'ennemi a fait du bruit. Boum. Oh putain. La nuque. Tellement de nuque. Ok, on a abattu un bon nombre d'ennemis. Eh franchement, on s'en sort, mais alors comme des dieux. S'il est en extérieur, ça peut être rigolo. Qu'est-ce que ça? Bon, apparemment, ça va être là-dedans que ça va se passer. Hein. Clairement, là... Apparemment, ils ont vu un prototype de sous-marin là-dedans. Attention, c'est une tourelle fixe. Avec lui, ça fait 5. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Oh, tu le vois aussi bien que moi. Hein. Avec des pistolets mitrailleurs. Ouais, ça pue du cul quand même. Ok, bon. Oula, j'ai changé d'endroit. C'est génial. Je vois une tourelle fixe. Je vois un mec avec des jumelles. Je le vois plus. Pipou 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 pou pipou 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 pou pipou 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 pou pipou 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 poupi poupou. Deux Sicarios, dis-moi où. Dis-moi où. Dis-moi où. Si je dois partir ou pas. Dis-moi, je sais ce que je vais faire. Je vais les niquer, mais j'ai pas le C4 parce que j'ai pas assez de vivre de merde. Je suis niqué, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Niqué, niqué. Bon. Frag lancé, comme mierda, culeros. Essayer de collecter des infos au cas où on trouverait un indice sur le projet d'El Cerebro. On s'est fait repérer. Mais non. Ils se remettent de ce côté. Oh la vache. Je tire. Ok, ça en fait deux. Bon, c'est pas grave. On file. On file de coton. C'est pas du tout là que je voulais aller. Ouais, enfin bon, fallait me dire. Près de la quoi? Près de la verge. Non, c'est faux. C'est pas ce qu'il a dit. Ok, j'ai pas eu le mode d'arme. Pute. Merde, Crudy. Voler les plans du prototype. Fallait que je vole des plans en plus. Merde, j'ai pas été mis au courant avant. Allez, nage, 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 nage. Ouh. Mais non. Tu n'as rien, vous. Trop de coups. Taisez-vous, c'est faux, j'ai pas chié les premiers tirs. Quoi? Mais il me regardait même pas! Il me regardait même pas!
Il avait même pas les yeux dans la bonne direction. Il y en a un qui fait tourner la mitrailleuse à fond. J'ai une caisse d'armement visuel. Crac. Voilà, je prends ça, merci. Et tu sais quoi? Je vais te prendre ton chop-chop. Parce que le chop-chop... Putain, il y a des plans. Merde! Je prends les commandes. Il y a des plans à prendre. Merde, Creddy! Ok, de ce côté. Eh ouais, tout le monde peut le faire, ça. Pouah! Il y avait des plans à prendre. What the fuck? On a les infos sur les recherches d'El Cerebro et on a détruit son prototype. Parfait, merci. Je crains que son projet tombe à l'eau. Merci, merci, merci. Ok, on y va pour l'autre. Ok. Ça vous dérange pas, je vais prendre la super méga berline. Hop. Voilà. Deux secondes, je prends le volant. Apparemment, je me suis fait mal tout seul aussi, au passage. Là, bon, voilà, par contre, j'avoue, c'était de ma faute. Là, puis j'ai pas vu qu'il y avait un mur en briques derrière, donc c'était aussi de ma faute. Mais, tout va bien. On est encore vivant, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème, il y a plus beaucoup d'ennemis dans la base, hein. Ça s'appelle un génocide, mais bon, on n'en parle pas trop, parce que c'est pas un mot super agréable dans une conversation. Ouh. Alors, celle-là, je l'ai pas vu venir non plus. Je vous avoue que le coup du site historique, je l'ai pas vu venir. Je vois un sous-marin estampillé Cerebro. Surveillez nos flancs, on va le détruire. Estampillé Cerebro, carrément, t'es sûr de ton coup, bonhomme, là. Oh, il y a un truc que j'ai envie de tenter. C'est pas la première fois que j'y pense. Et je me dis, il va falloir que je le fasse. Tôt ou tard. Sniper. Donc je vais commencer par péter la tronche au snipe. Je me suis craché, c'est pas grave. Non, pardon, je me trompe d'arme. Voilà, il y a un truc que j'ai toujours voulu faire. Normalement, là, on voit le cadenas. Question, comment ça marche? Ok, on peut souffler. Il y a des rebelles qui se foutent sur la gueule avec le cartel, on fait quoi? C'est dingue cet endroit. C'est quoi, c'est un cas? Je crois, mais on aura le temps de jouer les tours. Non, c'est pas un cas avec un Jésus. Ouvre l'œil. Voilà. Et ce qui est génial, regardez, c'est que là, ils attaquent les rebelles. Et pendant ce temps-là, moi, je les ai en free, quoi. Si j'arrive à monter sur une butte. Que j'arrive à monter sur des putes, mais pas sur des buts. Ah ouais, tu me diras. Voilà. L'un ou l'autre, je monte pas dessus. Oh, je t'ai tellement vu, mais j'ai tellement chié dans la colle. Il file droit de ce côté. Il me voit pas. Putain, il va finir par me voir, ce con. Allez, c'est pas grave. J'engage. Ouais, ce serait peut-être pas mal, ouais, effectivement, ouais. Vas-y, tu sais quoi, engage. Y'a pas de soucis. Sinon, vous touchez quand vous... Boum. Ouais. Ouais, je préfère, ouais. Parce que ce que je peux très bien faire aussi, normalement, c'est ça. Trop loin. Non, je l'ai eu. Parce que mes potes, là, que j'avais libérés, ils ont pas fait le café, hein.
Oh, cette musique. Bah, qu'est cette musique? Mouais. Ah non, il m'a pas vu. Apparemment, j'ai pas le droit de m'allonger. Parce que si je m'allonge, j'ai la tête dans l'eau. Ah putain, c'est casse-couille. Le pire étant qu'en fait... Un sniper. Voilà. Widow, sors de mon corps. Putain. Oh, pardon. Attends, 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 elle arrive. Voilà, elle est venue. Wouah. C'est qui cet homme d'une précision incroyable? Merde. Merde, t'as fait où? Ah bon, c'est passé au travers? Alors moi, j'essaie de juste... Voilà, c'est ça que je voulais faire depuis le départ. Tu veux bien te montrer? Voilà. 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 Suivant. C'est un sniper à terre. Mais où ça? Ah putain. Mais qu'est-ce que je suis con. Bien sûr. Il est dans le clocher. Oh putain, mais elle te passe au coin. C'est pas ta tête ça qui bouge là? Non. Bon bah tant pis. Bonjour. Voilà. Attends, il est forcément dans le clocher le snipe, c'est ça, non? Non, même pas. Ah bah apparemment il y était en tout cas à un moment donné. Mais ils l'ont eu. Sont détruits. Touché coulé. Si El Cerebro veut amener la coque en Floride, il est bon pour y aller à la rame. Je veux pas. T'es un vrai sniper, bonhomme. C'est pas possible, là. T'as rien vu. Désolé. C'est crac, bon. Crac, crac. Ça, vous tenez le coup. Ça, c'est bon. Bon, alors on a buté tous les snipes apparemment. C'est tous les comment, toutes les missions. 4 sur 6, voilà. Bon, bah c'est pas si mal finalement. Ça, c'est quoi? Lunettes pour mitrailleuse, fusil à pompe, fusil d'assaut, viseur holographique, changer de réticule en visée. Oh, ça peut être intéressant. Point de compétence, point de compétence. Ça, c'est quoi à droite? Cross compensé pour fusil de snipe. Ah, bah ce sera ça, tiens. Hop. Voilà, on en est où dans l'épisode au passage? 33 minutes. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, nous on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yoop!